à tous, on se retrouve pour la dernière mission sur cette campagne et nous allons entendre Galadriel. Les forces du mal continuent à ravager la terre du milieu. Bah c'est tout, c'est tout ce que dira Galadriel une nouvelle fois. Les forces du mal sont méchantes. Et bah écoutez, on peut win la campagne. Qu'allons-nous prendre? Est-ce qu'on prend le Rohan? Est-ce qu'on prend le Lombe Gondor? De toute façon, il y aura les deux, donc ça va pas changer grand-chose, je suppose. Je pense qu'on va peut-être prendre l'armée du Gondor, quand même, qui est quand même un peu plus puissante. Et bah, c'est parti. Direction la Porte Noire, il y a quand même beaucoup d'armées qui sont là. Donc ça va être chaud, hein. Ça va être chaud patate. Tac, 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 on passe par là. Et boum! Let's go. Nous allons finir cette campagne par là. La Porte Noire défend voilà. L'entrée du Mordor. Oui. Elle est bien gardée par les forces de Sauron. C'est vrai qu'elle est bien gardée. Va falloir faire très attention. Même très 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 attention. Je pense qu'on va un peu galérer. Hein. Alors on va plus à la petite cinématique et tout. C'est plaisir. Voilà. Barad-dûr. Ah, c'est stylé, hein. Là, on a fond l'armée des peuples libres qui est devant. Et les trolls qui ouvrent la porte. Oh là là, mais quelle animation, quelle animation. C'est fou. Ok. Ce jour n'est pas arrivé. Ouais. Ok, donc on a la, enfin on a les deux bases et ils arrivent direct. Ok, donc on va juste faire un marché, une forge. De l'autre côté, on va faire une forge, des fermes. Mais ils nous attaquent direct là, on n'a pas le temps de niaiser quoi. On a vraiment pas le temps quoi. Je boirais bien une bonne petite pinte. Ok, donc pour l'instant on a des unités niveau 10 qui t'arrivent dessus. De tout... Oh, ils se font défoncer sur le côté quoi. C'est abusé quoi. Tout le monde se... Mais tout le monde meurt. Aragorn aussi. Ah oui, l'ennemi est devenu beaucoup plus puissant effectivement. Ouais, j'étais même obligé d'utiliser un heal, quoi. Somme les gardes de la tour. J'aurais peut-être dû venir avec des unités améliorées aussi. Hein. J'aurais peut-être été... Oh, il y a un camp, il faut que j'aille prendre aussi. Je vais ramener des unités. Putain, mais Bérégon, tu te fais défoncer, comment ça se fait, là? Alors, je propose qu'on se replie un tout petit peu. En plus, il y a des nouvelles unités qui vont arriver, là. Ça pique, hein. Et ici, il me reste que des... Il me reste pas grand chose au final. Ah mais je peux même pas... Ah oui mais je me suis cru dans BFM2, c'était terrible. Je voulais faire un puits mais genre très loin, tu vois. Enfin genre au centre de la carte. On peut pas. Je crois que je vais juste attendre là. Hein. Je vais juste refaire des unités. Qu'on arrive bien à 400 points de ressources. Bien le bonjour monsieur Elroyer. Bien le bonjour monsieur Atelor 10 pour ton bonjour. T'as mais la forge est toujours buggée chez moi. Il y a que chez moi où c'est buggé ou... Ah je peux faire les elfes aussi, ça c'est bien. Les récoltes seront abondantes. Soyez attentifs. Bon. Ok, ok, ok. Si tu avais fait les missions secondaires, tu aurais eu des meilleures unités et un meilleur niveau. Bah pas vraiment en fait, pas forcément parce que... vu que à chaque fois tu te fais défoncer en début de partie, bah au final il me reste pas grand monde toi. Là, il me reste qu'il y a Imrahil, il y a des Spearsmen of Gondor, il y a Boulia, il y a Tuanu, il y a Mirak, il y a Feanor. Il y a Elessar, Kopik. Enfin, ouais, il n'y a pas non plus des millions de gens. Oh! Allez, ça dégage. Bon, ce qui est bien, c'est que vu que je me suis replié, du coup,
Je vais bien défoncer les Nazgûl. C'est ton dernier souffle. Tac. Tac. À la guerre! Chargez! Les orques arrivent! Des contrées! Et vous? On a le mode mort! On a le mode mort! Vas-y, vas-y. Non, peut-être pas tout de suite, peut-être pas tout de suite. On va se calmer un petit peu. Vas-y, Legolas, on a besoin de tes super flèches, là. Moi, j'adore cette compétence. C'est une des compétences les meilleures du jeu, je trouve. Ah, elle est tellement puissante, en plus. Oh, ils arrivent aussi sur les côtés. Ah, c'est les wargs. Il y a des wargounets qui arrivent sur les côtés. Boromir, la porte noire. Ouais, Boromir, c'est le boss, hein. Il est partout, Boromir. Aïe, 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 mais du coup... c'est pas cool ça. Oh. Je me fais attaquer sur 36 fronts là. Oh là là. Oh là là. Mais tous les orques ils viennent chez moi. Au château, vite. Bah oui, tu m'étonnes qu'il ait attaqué. T'as vu tout ce qui arrive là? Bah, tu sais, mais ça sert à quoi de défendre le centre de la carte si t'arrives chez toi, genre? Hello, toi. Ah ouais, les trolls arrivent, yes. Ça va mal finir, cette histoire. Hein. La citadée. On a déjà la citadée qui est perdue. Ah, du coup, je peux plus faire de défense. Ah, Pipin est mort. Bon, déjà, l'objectif secondaire est compliqué. Ah mais ici aussi ils ont détruit la... Bah oui. Tout à fait. Ah. Ah oui. Oh non. Oh non! Ça sent pas bon par là, hein! Ça sent vraiment pas bon! Eh, c'est difficile, hein! Je m'attendais pas à autant de trolls d'un coup! Oh, mais c'est qui lui? Ah, c'est Madril! Qu'est-ce qu'il fait là, Madril? Il va pas bien, Madril? Bon, je pense qu'on va oublier ce camp là et on va défendre l'autre camp, hein! Je vois pas trop comment je peux faire autrement, pour le moment en tout cas! Bon déjà on reconstruit un peu la citadelle pour mieux se défendre. T'as, j'ai que 42 pop quoi. Faut vraiment que je refasse des péons quoi. Ok, j'ai des ents. J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai Aragorn, il est tout seul. Il faut faire vite. Tranquille. On est bien parti là. Allez, on tue les trolls, là. Boromir, de toute façon, t'es le boss. Après, en vrai, cette armée-là, pour l'instant, m'attaque pas, donc tout va bien. Ce mal doit disparaître. Ah bah oui, il a intérêt à disparaître, ce mal. C'est là, pour l'instant, je me fais défoncer. Hein. Bombadino. Oh, merci beaucoup, Lisa. Ça le fout, à faire des lives quand je dors. Ici c'est la guerre, donc tu vas te calmer. Hein. Nous sommes en guerre. Oh, et toi, mais c'est un délire. Les trolls c'est trop fort. Il a one shot de Gimli. Il était en fureur. Il est en fureur. Il était en furie. C'est un délire ça aussi. Oh mais c'est une blague. Je me fais défoncer. Faut vraiment que j'aille reprendre la base. Hein. Je vais jamais pouvoir tenir avec si peu d'unités quoi. Allez allez, hop hop hop, un peu de nerf. S'il vous plaît. Je crois pas.
Merci beaucoup Horus pour le follow. Tu peux toujours recommencer à faire des missions annexes pour avoir plus de pop, de pouvoir, de... Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je pourrais avoir plus de trucs, y a pas de soucis. Moi, j'aime bien la difficulté, toi. Toi, là, mon objectif, c'est de reprendre cette base. Tac, là, on va juste écraser les unités. Oh, ils se sont fait défoncer, ici. C'est abusé. Je tiens mieux avec, genre, 3 unités qu'avec... Je pense que je vais juste aller marcher par là. C'est quoi cette invocation nulle? Oh putain, ils reviennent détruire mon château. Effectivement, elle tombera pas pour le moment. Moi je veux prendre la base là. Comment ça t'es blessé? Pour le peuple du rang! Allez, full tour. Merde. C'est quoi ces cas? C'est bon, en vrai là il y a moins d'hommes qui arrivent, c'est quand même plus agréable. Oh j'ai les aigles. C'est vrai que j'ai même pas l'armée des morts en fait. Après en même temps l'armée des morts serait cheatée. Je suis là pour... du beau jeu moi. Hop. Un puits ça pourrait être pas mal. Effectivement, un puits ça pourrait être pas mal. J'en conviens. Maintenant je suis là pour les défoncer, clairement. Peut-être faire les améliorations de flèches. J'ai pas de thunes aussi. Hein. Bon, on va garder un peu les compétences là. Alors que je viens juste d'utiliser un pouvoir. Les pouvoirs des héros reviennent ultra rapidement. Bah de toute façon le mode est ultra rapide donc oui oui. Mais je crois que je vais les bloquer ici hein. Je vais les bloquer un peu ici parce que là... C'est surtout les wargs qui m'ont saoulé. Je vais essayer de gagner du temps. Tac. C'est vrai que le sort de Gandalf, j'ai déjà utilisé 2 fois. Hein. Ici, ça va vraiment être un endroit stratégique. J'aimerais bien faire les améliorations de ça, là. Je peux pas les faire, là. Ça coûte un peu cher. Rassemblez votre courage. Mais je vais tenter un mode mort dans le camp, là. Genre juste là. Mais faut que je tue d'abord les unités, peut-être... Quoi? Je peux pas faire les amis? Ok. Oh là là. Vas-y Gandalf. Tu peux le faire Gandalf. Ah mais t'es pas du tout nié, t'as pas ton sort en fait. Ça sert à rien Gandalf, reviens. Faire des unités. Comment ça les Haradrim arrivent?
Oh non. Oh merde. Oh merde, Gandalf est mort. Oh la boulette. Oh la boulette. Oh la boulette. Oh Gandalf est mort. Oh non, pas Gandalf. Bon, au fond, on va le refaire. Oh bah ça y est, c'est la fin. Repliez-vous. Repliez-vous. Oh les mecs, en plus, c'est une plaie à tuer, cette merde. Même avec des unités améliorées, hein, c'est une plaie. Hein. Oh là 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 là. Ah, je peux invoquer le Rohan, c'est bon, bah, j'invoque le Rohan en direct en fait. Ah, mais du coup, Gandalf il va pas pouvoir revenir. De toute façon, je vais perdre tout le monde donc c'est bon. Hein. Bon, c'est bien, il y a tout le monde qui arrive au même moment, les me kill, tout. La charge glorieuse! Mais il est à pied! La pire charge de cavalerie. Théoden il pue. De toute façon il est mort Théoden. Bah voilà, ça tombe comme des mouches. Peut-être pouvoir aller prendre la base en bas, non? Ça c'est bien les... Et bah voilà, ça se passe très bien. On va juste aller tuer tout le monde. Et en vrai, au début, c'était grave chaud. Et là, c'est un peu mieux, là. Là, on sent qu'on a, je pense, passé le plus dur. Non, et Homer, tu peux résister, Homer. Pas obligé de mourir tout de suite. Créature immonde. Oh oui, du Shadow NVM qui j'arrive pas à installer car je suis un glandu. Bonjour. Mon pauvre colonel. Les orques arrivent. Ils vont tous mourir. Oh, elle s'est fait écraser quoi. Comment c'est possible? Ah mais Legolas il a encore son pouvoir, mais génial, quoi le faire. De toute façon je vais perdre tous mes héros, c'est pas grave. Oh, c'est quoi ça? Reformez les lignes. Il est mort. Et Boromir aura tenu jusqu'à la fin. Hein. Visez les trolls, vite! Les trolls! Ah, qui arrive précisément à l'heure prévue? Bah oui! C'est le beau gosse de la street! Oh, y'a le dire! Lui, son pouvoir, c'est d'invoquer des paysans, quoi! Et Gandalf, lui? L'armée. Le mot de mort. Et bah heureusement qu'on a des invocations parce que punaise. Ah là je vais pouvoir faire un mot de mort là. Nous sommes des guerriers de la comté. Oh non non non. On peut pas mourir les Legolas, c'est trop fort. Voilà, ça qu'on veut. Ça qu'on veut. C'est la beauté. La beauté du geste. Oh non, ils reviennent. Plus fort que jamais. Et boum! Ça qu'on veut! Vite maintenant! T'as Legolas a déjà de retour son pouvoir, mais c'est incroyable! Oh,
Non, 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 Aragorn, tu peux pas mourir, pas maintenant. Oh, il a pris tellement cher, lui. Oh non, Gandalf, il va mourir. Ah, ils sont vénères, hein. Ça arrête jamais, hein. Bientôt, je vais avoir tous les héros, c'est bon. Tous les héros vivants, bien sûr. J'aurais même pas réussi à faire les chevaliers de l'Emeraude, quoi. J'aurais même bien réussi, hein. Faire une écurie. Quelle est la meilleure attaque? La retraite. Gandalf est pas mort, hein. Je vais faire juste un full héros, en fait. Allez, tous les héros au même endroit, là. Qu'on vous soigne. Et bah voilà. Il n'y a que les Golas qu'on n'a pas réussi à soigner, mais bon, c'est pas grave. Ils recevront une pluie de flèches. Attends, on a bientôt tous les héros. Attends, ça se passe très très bien. Ouais, 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 je fais un maximum de cavaliers. On va se mettre en mode POV, là. Quoi? On n'a pas les POV? C'est honteux. C'est honteux. On s'en fout, Gandalf. À chaque fois qu'il meurt, les Valar le remettent sur pied. C'est le boss, Gandalf. Bon, il se fait massacrer. Hein. Ouais, défendez les camps à tout prix. Ouais, t'inquiète. Je pense qu'on est bientôt à la victoire, là. J'ai encore perdu un héros? Mais non. Non, là, c'est bon. Ils ont quoi comme pouvoir, eux? C'est pour donner de la vision. La vitesse de Gimli. Non, Gandalf, tu peux pas mourir, je t'ai dit, là. Stop, faire croire que tu vas mourir. T'as j'ai tellement de héros. Il peut invoquer des unités partout. Oh! Dans 5 minutes, j'ai gagné! Ça, c'est incroyable, ça. Gandalf va peut-être mourir. Il y a toujours de l'espoir. C'est bon, ils sont tous étés soignés, sauf Gandalf. Gandalf qui troll. Oh, les aigles. Enfin, les Nazgûl. Watch for enemy! Watch for enemy! Moi je veux faire Imrahil là, enfin les chevaliers de l'Emeraude, c'est mon seul objectif de la game. Allez Birégon, tu peux le faire. Résistez, résistez. Oh non, ils ont eu Pipin. Et boum. Tout le monde est en train de mourir. Ça va mort venir, bah meurt. Froid. Tout le monde meurt. Moi je veux faire ces chevaliers de l'Emeraude là. C'est mon seul objectif. J'ai bien dans le chat, il y a bye Gandalf, bye Théoden, bye. Bye Homer, bye Gandalf. Et ils arrêtent pas d'arriver, hein. De toute façon, les vrais qui restent, c'est les boss, hein. Clairement, c'est les boss, hein, qui arrivent. C'est bon, je peux les faire? J'ai envie de voir à quoi ils ressemblent, là. C'est l'objectif de la game. Bon, s'il me reste 2 minutes, là, avant la fin, là. Je pourrais les refaire, hein. Oh, les Ents se sont fait défoncer par les trolls.
vrai, là, c'est un peu la merde. Nous gagnerons cette guerre. Je peux beaucoup. Heureusement que j'avais des unités d'archers améliorées quand même. Oh, oh merde. Oh, j'ai les chevaliers de la marotte, c'est bon. Repli stratégique, repli stratégique, je répète. Oh là là, ils sont tous terrassés. Je veux voir, ils sont trop stylés, hein, les chevaliers de la marotte. Bon bah Boromir est mort. Hein. Embuscade, embuscade. Perce nuage, perce nuage. Oh, c'est le bordel. C'est la guerre. Il y a tellement de gens morts que on ne sait plus qui est recruté où. Eh bah écoutez, c'était une belle campagne. On se sera bien battu. Mérité de gagner la porte nord, bien sûr que c'est mérité. Attends, c'est pas parce que mes unités. Eh, tant que je survis, tout va bien. En vrai, c'est quand même chaud. Hein. C'est surtout les trolls en fait qui sont relous parce que ça one shot quasiment les héros. Du coup, c'est assez compliqué de les counter quoi. Chevaux chaud! Allez, la victoire dans 25 secondes. On va aller tuer ce troll. On va effectuer les dernières compétences. Et Owyn qui va mourir encore une fois. Peut-être qu'elle sera sauvée par le gong. Ils vont regretter ce jour. Et nous avons remporté cette victoire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et Owyn qui va survivre. Et non, et Owyn va mourir. Et c'est la victoire. Bravo, nous avons fini cette campagne. La campagne du bien de Shadow and Flame. Alors, est-ce que je ferai la campagne du mal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très sympa. Et on a la cinématique de fin, où on voit Frodon jeter l'anneau. Non, je crois qu'il y a Gollum qui arrive, non, ils font pas... Non, ils font juste genre qui va jeter ça, c'est tout. Ouais, voilà, ils mettent l'anneau qui tombe. Avec tous les morts, t'as dépeuplé tous les royaumes de l'Ouest. Où ça, la victoire? Tu as perdu tous tes héros. Non, ce qui compte, c'est la victoire. Oh, les aigles! Incroyable. Je me souvenais pas de cette fin là. Genre où il est monté sur la petite colline avec... Incroyable, je m'attendais pas à ça. Ah là là, 89 000 de points de bataille. On a tous nos héros qu'on pop. Bah écoutez, c'est une très belle campagne qui s'achève. Je ne gardais aucune unité. Il y a juste Marco. Marco qui a... Hey, Marco a survécu. Je pense qu'on peut attitrer à Marco la victoire totale sur cette campagne. Marco qui est un viewer qui était là à la bataille de Minas Tirith. Ou même avant, je ne sais pas, mais je crois qu'il a été entraîné à Minas Tirith. Donc, incroyable. Incroyable. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi. C'était une belle campagne. J'obtiens un score de 150... De 1 518 708. Alors, j'ai pas fait les missions annexes, mais on peut avoir évidemment bien plus. Donc, c'était très très sympa. Voilà, donc je pense que je ferai la campagne du mal. Et je vous dis à bientôt, du coup, pour la suite. Donc, Shadow and Flame, voilà. Ils ont changé... Ils ont changé le générique de fin. Alors j'ai un petit aspirateur, mais juste avant de finir, du coup, Matisse, le créateur, je crois que c'est Matisse, celui de Age of the Ring, hein, celui qui m'a banni. Legacy développeur Dunedain Ranger, donc qui s'occupe de Age of the Ring. Voilà. Donc c'est sympa, ils ont mis les petits crédits, donc ça c'est cool, c'est original. Et bah écoutez, au revoir et abonnez-vous. À bientôt.